Bien, c'est le vent. Comme vient de dire Oro. Nous reprenons. Donc pour la discussion générale, ce rapport est fixé à 90 minutes de discussion. Pour l'UDSP, 26 minutes. Totato Aïa, 19 minutes. Le Tawera Huiratira, 16 minutes. Yorot Penoua, 10 minutes. Le groupe Temana et Temamoutou, 10 minutes. Et les non-inscrits, 3 minutes chacun. J'appelle donc le premier intervenant du groupe Totato Aïa, M. Touti Péou, à vous. Madame la Présidente de l'Assemblée de la Polynésie française, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les représentants à l'Assemblée de la Polynésie française, chers collègues à tous, Yorana. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte en prenant la parole au nom du groupe Totato Aïa sur le dispositif d'urgence à destination des secteurs économiques de la pêche, de l'agriculture, de l'aquaculture et de la périculture pour remercier les entreprises de ce secteur. En effet, je souhaite féliciter leur volonté commune de mettre de côté les désaccords passés et les mésententes afin de coopérer avec le gouvernement et notamment le ministre en charge du portefeuille afin de mettre en place un programme d'action pour la relance des activités du secteur primaire. Je ne vais pas m'étendre sur l'importance de la relance de ce secteur et je n'enfoncerai pas non plus le clou avec le rappel des chiffres extraordinairement positifs des années 90. En particulier, la culture de l'appel qui constitue la première source de recettes extérieures après le tourisme. La Polynésie française est le deuxième producteur et exportateur mondial de perles. Et enfin, l'industrie de la perle est la deuxième source de devises pour la Polynésie française. Tout le monde aura bien compris qu'il s'agit là d'une réelle nécessité pour asseoir les bases de notre développement durable. Le groupe Totato Aïa est satisfait de voir qu'à travers nos débats denses où chacun a pu exprimer son analyse et ses propositions, nous aurons trouvé oreille attentive. Je me rappelle encore le discours de notre ministre au Grenelle de la mer il y a peu. Celui-ci était légèrement différent de ce que j'ai pu entendre dernièrement. Si mes souvenirs sont bons, vous suggériez alors de temporiser afin de prendre des décisions réfléchies. Je suis ravi de constater que la prise de conscience du caractère urgent des besoins et attentes des professionnels ont eu raison de ce discours. Ne vous méprenez pas. Je ne pense pas que la précipitation eût été la solution, mais les enjeux économiques dramatiques de nos professionnels méritaient un dispositif d'urgence. Comme la campagne du ministère le dit si bien, le temps, c'est bon, mais il est plutôt bon temps d'agir, Monsieur le Ministre. Pour le reste, je partage votre vision volontariste quant aux possibilités de développement des secteurs économiques de la pêche, de l'aquaculture et de la périculture quand on sait, et vous n'avez de cesse de nous le rappeler, que la Polynésie française possède 47% de la surface maritime française. Aujourd'hui, la confiance des entreprises et des professionnels vous a été accordée. Elle est un facteur de motivation considérable. J'en suis satisfait et je voudrais les en remercier et les informer que le groupe Totato Aïa entend, bien entendu, continuer à répondre favorablement aux mesures de relance économique dans un contexte consensualiste. Dans notre quête de tout mettre en œuvre pour aider à la relance de l'économie de notre pays, il nous paraît important
que cela se fasse de manière consensuelle. Ce n'est qu'ainsi que nous soutiendrons votre démarche. Comme le temps est au compromis, à l'ouverture et à l'action, il nous faut cette mobilisation et particulièrement une mobilisation permanente de tous. Certes, nous nous devons de collaborer pour le bien-être de notre pays. Néanmoins, les décisions juridiques contestables et les recours à l'emporte-pièce qui ont provoqué des interventions houleuses lors des dernières séances nous obligent à rester vigilants. Et nous espérons pouvoir toujours compter sur votre oreille attentive, Monsieur le Ministre, car, ne nous y trompons pas, la crise sera longue et douloureuse et cet énoncé économique que nous présente aujourd'hui le ministre des Ressources de la Mer est très attendu. Il en est de même de ce plan de relance pour faire face aux perspectives actuellement très sombres de la filière péricole. Monsieur le ministre, vous avez annoncé la semaine dernière des grands projets. Je me permets de vous rappeler brièvement que les angoisses de nos acteurs économiques, nous les partageons et je tiens à rappeler et rassurer les professionnels que nous utiliserons toutes nos capacités d'action à sortir de crise et au développement durable. Beaucoup de choses ont été dites, mais il faut poursuivre ce combat et redire inlassablement que les secteurs économiques de la pêche, de l'aquaculture et de la pelliculture ne sont pas des secteurs économiques comme les autres, que leur régulation est vitale pour l'économie de ce pays. Dans les grandes orientations de notre plan d'action, j'espère qu'à ce titre, des mesures d'envergure ont été prises afin de maintenir la compétitivité du secteur et préserver les postes du travail. Il est évident que nous voulons que cette fameuse relance économique ne soit pas qu'un discours de plus fondé exclusivement sur l'idéologie et au service de la seule idéologie. De ces mesures d'urgence, nous attendons des décisions économiques et administratives concrètes. On se le dise, ce dispositif d'urgence est une aide et cette aide n'est pas une fin en soi. Il s'agit avant tout de viser à initier un processus de relance et de reconquête des marchés où chaque franc investi doit être optimisé. Car la crise économique a également pour effet que les contribuables polynésiens, plus que jamais, veulent s'assurer que, si l'on consacre davantage d'argent à l'aide, ce financement transforme réellement la vie des gens qui en ont besoin. Les Polynésiens veulent des retombées réelles et des résultats clairs. Dans l'espoir de votre plan de relance puisse laisser entrevoir des résultats significatifs, très prochainement, nous adopterons ce projet de loi du pays. Merci de votre attention. Maruru. Merci, Monsieur Tutipeu. J'appelle maintenant l'intervenant du groupe Tawera Wiratira, Madame Galno. Merci, Madame la Présidente, et Yorana à vous, Monsieur le Ministre, que j'ai appelé Monsieur le Ministre Désiré parce que depuis hier au soir, nous étions suspendus à votre arrivée. C'est le cas de le dire, mais Yorana, bienvenue parmi nous aujourd'hui. Bienvenue aussi aux journalistes et au public présent aujourd'hui et à tous les collaborateurs de l'Assemblée et bien sûr à vous, chers collègues, Yorana. Alors, aujourd'hui, nous parlons donc de ce projet de loi de pays sur le dispositif d'urgence à destination des secteurs économiques de la pêche, de la culture et de la perliculture. S'il faut s'en souvenir, chers collègues, c'est que lors de notre dernière séance, nous avions à étudier un dispositif pour venir soutenir l'activité des concessionnaires automobiles, pour lequel le ministre des Finances a prévu une enveloppe financière de 200 millions.
Je ne reviendrai pas sur ce dispositif aujourd'hui, nous nous sommes largement exprimés sur ce sujet. Mais si je tenais à reparler de la prime à la casse, c'est pour la mettre en parallèle avec le dispositif qui nous est présenté aujourd'hui et qui a pour vocation d'éviter la casse totale du secteur d'activité productif, générateur d'exportation et de très nombreux emplois. Ce sont là deux approches bien différentes, j'en conviens, chers collègues. D'un côté, nous avons une approche d'épicier qui veut investir 200 millions en escomptant en récupérer plus du double pour boucher un trou budgétaire. De l'autre, nous avons un ministre qui a pris la mesure de la crise des professions liée au secteur de la mer et qui sait faire preuve de suffisamment d'inventivité à moindre coût. 250 millions maximum pour le budget du pays. Bravo, monsieur le ministre. Pour faire passer aux professionnels un cap difficile dans un contexte de récession. Pour une fois également, le dispositif qui nous est présenté a fait l'objet d'une large concertation avec les professionnels des secteurs concernés, entre parenthèses, ce n'est pas le cas de tous les ministres, mais également avec les établissements bancaires qui vont apporter leur pierre à l'édifice. Mais ce qui est, à mon sens, le plus intéressant dans votre plan de relance, monsieur le ministre, même si certains pensent que ce n'est pas un plan de relance, mais c'est un plan de relance, avec un plan d'ensemble, avec une vision à long terme. Et je trouve que c'est cela qui est intéressant concernant votre rapport. Ce dispositif permettra aux professionnels de la perliculture, de la pêche et de l'aquaculture de faire face dans les meilleures conditions à leurs échéances bancaires relève de l'urgence. C'est en ce sens qu'il nous est présenté. Mais ce n'est qu'une étape, il est vrai, puisqu'elle s'inscrit dans le cadre de la complète restructuration de filières qui font face aux difficultés économiques renforcées par la désorganisation des secteurs. Ainsi, pour asseoir cette réorganisation, des mesures à court terme doivent être prises. Dans ce moratoire bancaire, c'est ce que vous avez fait, monsieur le ministre, permettant de différer d'un an les crédits des professionnels de ce secteur qui s'élève globalement à plus de 10 milliards. Nous l'avons tous constaté, des efforts importants ont déjà été entrepris et les mesures adoptées par notre Assemblée relatives au DSPE en sont un des volets pour ce qui concerne la perliculture, ainsi que pour la maison de la pêche qui devrait bientôt entrer en service. Pour la pêche, qui est donc le retour de la ressource, ainsi que la remise à la mer des navires, est également un premier pas qui permettra à la filière de se redresser. Monsieur le ministre, vous avez également entamé la restructuration de la filière afin de favoriser un meilleur approvisionnement du marché local, tout en soutenant les filières d'exportation. Sur ce point, nous avons vu votre dynamisme pour l'obtention de la belle thon rouge, de Polynésie, pêchée dans des conditions respectueuses de l'environnement et de la préservation de la ressource à un moment où l'Europe et plus largement la communauté internationale remettent en cause la pêche au thon. Nous l'avons vu hier, encore avec le lancement des travaux du centre technique aquacole de Veraau. Un effort particulier va être porté sur le développement de la filière aquacole qui jusqu'à présent n'a fait que vivoter. Un effort également sur la formation avec l'ouverture programmée de l'Institut de la mer pour lequel vous semblez avoir obtenu, tout comme pour la labellisation du thon, l'appui du ministre Jean Borloo. Cependant, je voudrais apporter une petite remarque, monsieur le ministre. En commission du contrôle budgétaire et financier, j'ai remarqué quand vous avez retiré 38 millions pour l'Institut de la formation de la pêche. Et ça, cela m'a interpellée et inquiétée. Et je me suis d'ailleurs abstenue concernant ce... J'ai voté contre, hein, je vous le dis entre parenthèses. Alors, c'est bien, monsieur le ministre, donc tout le travail que vous avez fait est appréciable pour cette population des pêcheurs qui avait vraiment besoin d'être revalorisé, et je pense qu'on ne peut que vous féliciter. Il faut bien relever que depuis de nombreuses années, la Polynésie n'avait pas connu un tel dynamisme en faveur des secteurs extrêmement porteurs économiquement que sont les activités liées à la mer.
Nous avons pu constater également que vous avez su convaincre le président de la Polynésie française de l'intérêt de votre démarche, puisque lors de l'ouverture de la session budgétaire, il a fait de la mer une priorité au développement du développement de la Polynésie française. À 15 jours du dépôt du projet de budget, nous avons toutefois de grandes inquiétudes au sein de notre parti, le Tahuir Ahuir Atira, sur la mise en adéquation des propos du président de la Polynésie française avec la réalité budgétaire. Nous sommes d'autant plus inquiets qu'à 15 jours de ce budget, le débat d'orientation que nous impose la loi Estrosi n'a toujours pas été organisé. Au mieux, ce débat ne pourra se faire que lors de notre séance du 12 novembre, ce qui le videra totalement de sens dès lors que le budget sera déjà arrêté à cette date et que nous ne pourrons pas, par nos débats, influer sur les orientations. Mais il est vrai qu'en l'absence d'orientation globale, le gouvernement a peut-être estimé qu'il n'était pas nécessaire d'en débattre. Aussi, Monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer si au cours des différentes réunions d'arbitrage budgétaire, j'attends qu'il ait fini, hein, j'ai envie qu'il m'écoute quand même, hein. Bon, alors, vous pourriez sans doute nous indiquer si au cours des différentes réunions d'arbitrage, vous savez, là, je ne peux plus parler, hein. J'ai un blocage, hein. Poursuivez. Je suis désolée. Bon, alors, Monsieur le ministre, vous pourriez sans doute nous indiquer si au cours des différents débats d'arbitrage budgétaire, vous avez pu obtenir les crédits à la hauteur de vos ambitions. Bonne question, hein? Voilà. Sachant que vous aviez parlé d'un budget de 1,4 milliard de francs nécessaires à la seule relance du secteur. Puisque nous sommes dans les questions budgétaires, nous avons pu constater, bon, cela vous concerne peut-être pas, Monsieur le ministre, j'aurais voulu que Monsieur le ministre des Finances soit là. Nous avons pu remarquer que pour la 1e fois, le président Temaru s'est déplacé aux Marquises avec des investisseurs potentiels. Ce ne sera pas la première fois, me direz-vous, qu'on fait miroiter de grands projets aux Marquisiens, c'est-à-dire l'aéroport international, le golfe international. Et maintenant, notre président nous parle de l'idée d'implanter d'une base de pêche, dans l'archipel. Vous pourrez là encore nous dire si des crédits seront prévus au budget 2010 ou s'il ne s'agit qu'une nouvelle fois d'un effet générique à l'image de l'aéroport international. Je me répète, mais c'est important. Maintenant, nous avons bien compris que vous aviez une vision d'ensemble et surtout une vision sur le long terme pour le développement des ressources de la mer. Votre vision, vous l'avez partagée avec les professionnels du secteur. Il nous apparaît donc important de soutenir ce projet de loi qui, bien sûr, est là pour faire face à la crise, Monsieur le ministre, mais qui nous permet aussi d'ouvrir de nouvelles perspectives. Cependant, là, Monsieur le ministre, où j'ai quelques inquiétudes, permettez-moi de les émettre quand même personnellement. Ça concerne les moyens financiers. J'espère que vous serez aussi dynamique, parce que ces moyens financiers, je pense que pour réussir vos projets, je serai peut-être réservée concernant les moyens financiers. Mais je vous fais confiance, Monsieur le ministre, et je voudrais vous dire merci de votre attention. Et juste une petite remarque avant de terminer mon discours. J'ai écouté avec attention mon collègue Toti Péo. Il y a quelque chose qui m'a interpellée. Toti, excuse-moi, je préfère te le dire tout de suite parce que tout à l'heure je l'oublierai. J'ai noté quelque chose qui m'a quand même, je ne sais pas, il faut peut-être y réfléchir, cher collègue. J'ai entendu notre collègue dire, il n'y a pas de décision juridique contestable. Non, vous aviez parlé d'une décision juridique contestable concernant le projet. Et ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'y a pas de décision juridique contestable, Monsieur Péo. Il y a juste une décision juridique, point barre. Enfin, voilà. Ça, cela concerne le juridique. Voilà. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame Galland. À présent, j'appelle l'intervenant du groupe Yaourat Fenoua, Monsieur Teiki Porlier.
Merci Madame la Présidente. Bonjour à Monsieur le Ministre, chers collègues, la presse, ceux qui nous regardent et qui nous entendent. Bonjour. Moratoire bancaire pour les personnes du secteur de la ressource marine. Durant des décennies, ce sont des centaines de familles qui sont retournées dans les îles éloignées des Tuamotu et des îles Soulevent. Elles s'y sont installées, elles y ont créé des emplois, souvent leurs emplois. Elles y ont fait prospérer une activité, notamment celle de la perliculture. Ces familles se sentent endettées pour pouvoir s'installer dans leurs îles. Et ces dettes, elles les ont contractées auprès des banques. Elles ont cependant généré l'essor de la perliculture, un essor qui est aujourd'hui incontestable. Juste quelques chiffres, ces archipels, notamment ceux des Tuamotu, ont doublé leur population, en partie grâce à cet essor. Ce petit rappel pour préciser à quel point une filière comme celle de la perliculture participe à notre essor de société polynésienne, parce qu'elle génère de l'économie et qu'elle répond à des besoins culturels, c'est ceux de pouvoir vivre sur ces terres. Alors aujourd'hui, dans ce moratoire, on apprend que les banques apportent une participation. Eh bien, on pourra comprendre que c'est un juste retour de la monnaie de la pièce. Car aujourd'hui, nous voici enfin arrivés au fameux moratoire, pour reprendre les mots de certains en commission, un dispositif attendu. En effet, il aura fallu 6 mois pour établir ce texte, mais cette proposition de loi est consolidée et elle répond aux exigences de notre statut. Par ailleurs, comme nous l'a bien souligné notre ministre, les dossiers sont prêts et ils attendent notre vote pour être rendus accessibles à ceux qui ont besoin de ce moratoire. Certes, il ne s'agit que d'un moratoire, mais dont les négociations auront permis le partage des intérêts différés entre les professionnels, les banques et le pays. Et cette répartition en 3/3 démontre encore l'intérêt que chacun de ses partenaires porte à ces secteurs de la perliculture, de la pêche et de l'aquaculture, et confirme la reconnaissance que ces filières ont des atouts importants en qualité de secteur économique, social et culturel, des secteurs économiques valables, des secteurs économiques durables. Si la participation des banques dans la prise en charge des intérêts différés est précisée dans la convention qui est annexée à ce projet de loi de pays, on retiendra notamment que la durée d'un an pourra faire l'objet d'un renouvellement en cas de besoin. Ce gel du remboursement des dettes des professionnels est nécessaire, mes collègues l'ont rappelé, nécessaire pour redonner de la trésorerie aux professionnels. Pour mémoire, 9 milliards de dettes dans le seul secteur de la perliculture et près de 2 milliards de dettes dans le secteur de la pêche. On pourrait croire que ce dispositif est à l'avantage des professionnels, mais en réalité, il s'agit là d'une mesure gagnant-gagnant. En effet, ceux qui voudront bénéficier du moratoire devront en faire la démarche, ce n'est pas un dispositif automatique. Et à cette occasion, lors de ces démarches, le pays va pouvoir recueillir des données essentielles pour mieux apprécier l'état de santé de ces secteurs. Car, permettez-moi de le penser et de vous le dire, Monsieur le Ministre, méthode happy et efficace, vous nous proposez de faire d'une pierre deux coups. En plus de mettre en place le moratoire, vous nous proposez d'entamer la réorganisation de l'ensemble des filières concernées. Et là, aussi, les acteurs attendent cette réorganisation. L'annexe 1 détaille la liste des données que les bénéficiaires du moratoire devront fournir pour bénéficier du dispositif. Quand on lit les tableaux, on peut s'étonner, mais pourquoi de telles informations ne sont-elles pas déjà disponibles dans les différents services publics? Plus que d'attendre des réponses à ces pourquoi, je vous propose de soutenir le travail qui est exposé
par le ministre du gouvernement en charge de la périculture et des autres ressources de la mer, qui consiste, selon ses termes, à donner de l'oxygène à l'ensemble des acteurs de ces filières et à redonner aux ressources naturelles de notre fainois issu de la mer toute leur valeur. Encore une fois, Monsieur le ministre, vous êtes là pour nous présenter une des étapes de votre plan de relance des filières dont vous avez la charge. Vous nous avez détaillé votre travail, il a reçu un avis favorable en commission. C'est donc au nom du groupe Yaourate Fainois que nous invitons nos collègues à adopter à l'unanimité ce projet de loi de pays. Merci. Merci, Monsieur Teiki Porlier. À présent, j'appelle l'intervenant du groupe Temana Otemamoto. Monsieur Temauri Foster. Merci, Madame la Présidente. Je ne vais pas être très long, car toute l'historique, à chaque fois que nous nous retrouvons sur le sujet de la perle de la pêche, on commence à l'avoir par cœur. La seule chose que je voudrais dire, Monsieur le Ministre, c'est que ce dispositif puisse vraiment profiter à un maximum de professionnels, car ce n'est pas évident. Hein. Ce n'est pas du tac au tac. Ça, c'est vraiment trié et que j'espère que vous serez suffisamment regardant auprès des banques pour que le maximum de professionnels puissent en profiter. Monsieur le ministre, je pense que ce premier pas va donner effectivement un petit bouffet d'oxygène. Un petit bouffet, c'est vraiment un petit bouffet d'oxygène aux différents secteurs de la mer, mais ce n'est pas suffisant. Ce que nous attendons, c'est la suite que tu vas nous proposer, telle que tu nous l'as suffisamment rappelé, c'est ton plan. Sache que tant que ton plan ira dans le sens du soutien de ce secteur, les Iliens seront à tes côtés pour te soutenir. Marou. Merci, Monsieur Timori Foster. J'appelle à présent l'intervenant du groupe UDSP, Madame Chantal Tahiata. Merci, Madame la Présidente. Fatrihao Yorana. Ce dispositif, je ne veux pas revenir dessus, mais en tous les cas, la finalité de ce dispositif est de soutenir les secteurs qui connaissent les difficultés de trésorerie liées au contexte de la crise économique mondiale. Il s'agit concrètement d'un gel des remboursements des emprunts bancaires et celui-ci a bien évidemment un coût. Dès lors, ces intérêts différés, au lieu d'être facturés entièrement à nos pêcheurs ou pelliculteurs, seront divisés en trois. Un tiers par la banque, un tiers par le pays et un tiers à la charge du client. Ce moratoire envisagé pour une durée d'un an, c'est-à-dire pour l'année 2010, consistera notamment à reporter le remboursement des encours bancaires pour la durée de l'année 2010, de réduire la charge des intérêts afférents à ces crédits. Autant de mesures pour arrêter ou alors minimiser l'hémorragie qui touche actuellement ces secteurs. Car vous n'êtes pas sans savoir, chers collègues, que des perliculteurs ont déjà mis les clés sous la porte et que beaucoup même sont obligés de brader leurs perles pour faire face aux échéances. Des familles entières se retrouvent ainsi dans une situation précaire, avec des encours bancaires sur les bras, soit près de 10,7 milliards pour l'ensemble de ces secteurs. Aussi, le gouvernement et l'ensemble des élus conscients de la charge qui pèse sur ces professionnels n'ont pas hésité à réagir en prenant des mesures. S'agissant de la distinction négociant-producteur, il n'a pas été possible de la faire apparaître clairement dans le projet de loi du pays, ce dernier portant sur un secteur complet. Cependant, une étude sera menée par le banquier et déterminera si le négociant-demandeur remplit effectivement les critères pour bénéficier du moratoire puisqu'il devra supporter le coût d'un tiers, à charge pour lui de rembourser au plus tôt son crédit compte tenu du coût des intérêts différés.
Ce dispositif se veut d'intérêt général, sans discrimination aucune. S'il est vrai qu'il ne va pas résorber les problèmes économiques du pays, il permettra néanmoins d'apporter un peu d'oxygène au secteur le plus touché par la crise. C'est la raison pour laquelle je vous invite, chers collègues, à adhérer à ce dispositif en votant favorablement à ce projet de loi de pays. Merci de votre attention, Yoran. Merci, Madame Chantal Tahiata. Nous n'avons pas d'élus non inscrits. Il reste encore quelques minutes d'intervention pour le Tawera. Il attira 6 minutes. Oui, merci, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur le Ministre. Bonjour. Les représentants de la presse, peu nombreux ce matin. Problème d'assiduité au niveau de la presse. Bonjour, cher public. Mes chers collègues, Yorana, Tutato Farre Fahuraiti Pepe. Madame la Présidente, je voudrais faire une observation d'ordre général tout d'abord et naturellement remercier le ministre. Je dois vous dire qu'on apprécie d'avoir joint à ce dossier les différentes conventions qui ont été discutées avec les banquiers. C'est une information appréciable. Et on peut, dans ces conditions-là, comprendre aussi que ce dossier ait mis du temps. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure, 6 mois, c'est long, comme ça peut ne pas être long. Mais en tous les cas, pour avoir les informations comme on les a aujourd'hui, on peut comprendre qu'on ait mis autant de temps, parce qu'on connaît les banquiers, on connaît ce genre de discussions qui ne sont pas faciles, et aussi les discussions avec les autorités du pays, puisque, comme nous l'avons observé, le pays mettra une contribution. La deuxième observation que je voudrais faire, Madame la Présidente, elle est aussi de portée générale. Autant on reconnaît en effet ici... dans la mesure que nous propose le ministre de la Mer, l'intérêt pour ces entreprises de pouvoir bénéficier de tels aménagements, ne serait-ce que pour survivre et laisser passer la vague de la crise, mais autant on peut se poser la question pour un certain nombre d'autres entreprises, d'autres secteurs, mais ne serait-ce que pour ceux qui perdent leur emploi aujourd'hui, parce que vous savez qu'ils sont quand même relativement nombreux et qui ont des encours dans les banques. Je ne parle pas des véhicules, des voitures qui sont peut-être des besoins secondaires, mais en tous les cas, j'en ai reçu quelques-uns qui sont touchés directement par le remboursement d'emprunts liés à la construction de leur résidence, de la maison où vivent ces couples avec leur famille et qui sont aujourd'hui, j'ai envie de dire, mis à mal par les banques. Je n'accuse pas les banques, c'est normal. Ils doivent rembourser, il faut rembourser. Mais néanmoins, ces gens se sentent seuls. Je parle ici du principe de la loi qui nous est soumise et me demande donc s'il ne faut pas réfléchir dans les jours à venir à des mesures comme il se produit en métropole. Vous savez qu'en métropole, lorsque quelqu'un perd son emploi, la banque a pratiquement obligation de rediscuter avec lui l'échelonnement de ses dettes, le réaménagement de ses dettes, parce que c'est vrai que dès lors où il perd ses revenus, cette personne est en difficulté. Ma troisième observation, et là je reviens à notre dossier, qui fait l'objet de soucis des uns et des autres aussi, c'est la question de la liberté qui est donnée à la banque pour conclure ou non l'octroi de ce moratoire à un professionnel. En effet, lorsqu'on lit bien les articles 1 de vos conventions, Monsieur le Ministre, cette phrase revient régulièrement, et je veux parler du troisième paragraphe de l'article 1er. Chaque banque conservera seule l'entière responsabilité de signer avec ceux de ses clients éligibles qu'elle aura choisi une convention leur permettant de bénéficier effectivement du... Je ne conteste pas ce droit des banques. Mais lorsque vous lisez l'article 2 et lorsqu'on lit les conditions d'éligibilité,
J'ai l'impression qu'au travers de ces conditions, on laisse peu de marge aux demandeurs pour se garantir l'octroi par la banque de ce moratoire. La question que posait M. Foster tout à l'heure, c'était en effet, qu'est-ce que vous pouvez nous garantir aujourd'hui qu'un maximum de ces personnes aujourd'hui en difficulté puissent bénéficier de ce moratoire? J'inverse un petit peu la question en vous disant, comment pourrions-nous avoir la garantie auprès des banques que même sur certaines personnes, parce que toutes ces personnes présentent des risques, c'est des personnes à risque, ou qui sont en contentieux ou qui vont aller en contentieux dans les banques, il ne faudrait pas que les banques leur ferment la porte, parce que moi je serai entrepreneur, je lis les conditions d'éligibilité relevant des bénéficiaires, j'ai presque envie de dire que 80% des personnes qui sont aujourd'hui dans cette difficulté devraient pouvoir bénéficier de ce moratoire. Voilà. Monsieur le ministre, simplement pour vous demander, est-ce qu'on a de ce côté-là, pas une garantie de largesse de la part de la banque, mais une garantie de ne pas fermer les portes, même à certaines personnes à haut risque, entre guillemets. Parce qu'aujourd'hui, comme certains l'ont noté, ce secteur est en crise pratiquement depuis deux ans et demi, trois ans. Donc il faudra là vraiment que le médecin s'occupe bien de son malade et lui donne toutes les chances de guérir. Voilà. Les observations que je voulais faites au titre de la discussion générale. Merci. Merci, Edouard Fritsch. Il y a encore du temps pour Totatu Aya. Y a-t-il un autre intervenant? Pour le Yorat Fénois, y a-t-il un autre intervenant? Non plus. Pour UDSP aussi? Non plus. Temanait Momoutou? Bien, la discussion générale étant terminée, je demande à Monsieur le ministre de répondre à toutes les interventions et les interrogations. Merci. Merci Madame la Présidente. Chers amis représentants à l'Assemblée, Mesdames, Messieurs, Yorana et Toutatou Faririra, chers amis de la presse, chers amis de la presse, puisque la presse s'est mobilisée faiblement ce matin, mais on va dire en qualité, et chers amis du public, y compris les quelques professionnels qui sont aussi là pour assister à nos débats, bonjour, je voudrais... Madame la Présidente, vous présentez mes excuses pour ce retard de ce matin. J'étais avec les professionnels de la Perle en visite du chantier de la Maison de la Perle qui sera livrée le 16 novembre prochain. Et donc nous l'avions fixé au dernier comité de pilotage de la périculture. Il m'était difficile en fonction des impératifs des uns et des autres qui devaient repartir dans leurs îles perlicoles de pouvoir décaler. Donc merci d'avoir accepté d'attendre quelques minutes pour que je puisse venir. Je tiens à remercier l'ensemble des groupes représentés à l'Assemblée pour le soutien unanime pour ce dispositif. Et j'ai bien compris que nous étions unanimes pour pouvoir soutenir ces secteurs de la pêche, de la perliculture et de l'aquaculture, qui sont tous à des degrés certes différents, mais sur, on va dire, une réalité très frappante, donc touchée par cette crise depuis de trop longs mois aujourd'hui. Il s'agit effectivement d'un dispositif qui vient en soutien à court terme à ces entreprises dans l'attente de la réorganisation complète des filières. L'ensemble des représentants qui se sont exprimés l'ont bien souligné à juste titre, c'est-à-dire qu'un moratoire pour un moratoire ne servira à rien. C'est le fruit de toutes les discussions donc avec les banques qui, au départ, je dois vous le dire, ne voyaient pas forcément l'intérêt d'une telle mesure, on va dire, de portée large, d'intervention économique, parce que, me disaient-elles, le moratoire, elles en décident quasiment tous les jours en fonction, effectivement, d'une crise qui touche de plus en plus de secteurs. Mais il me semblait important de pouvoir, et d'où les quelques discussions qui ont entraîné au début, de pouvoir, de manière massive, sur ces secteurs qui sont les plus touchés aujourd'hui de notre économie, on va dire, encadrer un dispositif qui soit soutenu à la fois par les pouvoirs publics et qui nous permette de nous doter des outils pour cette réorganisation.
Et parmi ces outils, comme l'a souligné M. Porlier, il y a effectivement, au cours des rencontres qui auront lieu entre le perliculteur, le pêcheur ou l'aquaculteur et le service d'abord, puis le perliculteur, le pêcheur et l'aquaculteur et sa banque, ça sera l'occasion pour nous tous, de faire à nouveau le point sur le degré d'activité réel du secteur. Parce que nous avons un grave déficit d'informations. Il y a des statistiques aujourd'hui qui sont produites sur des tonnages à l'export pour la perle, sur des estimations des débarquements de poissons, sur, on va dire, de la production de crevettes, mais nous manquons cruellement aussi d'informations à jour sur l'ensemble des leviers de ces activités. Combien de perles avons-nous dans les lagons? Quel est le stock que nous pouvons évaluer, donc qui n'est pas encore sorti des lagons? Quel est le stock que nous avons chez les négociants? Quel est le stock qui est aujourd'hui en dehors de nos frontières, mais qui n'a pas encore été vendu? Tous ces éléments sont déterminants, on va dire, pour que notre réorganisation puisse prendre ses réels effets. Car la Maison de la Perle, pour parler de la perle plus spécifiquement, donc qui va amorcer la centralisation de toute la production, et donc le tri, la classification, et qui va nous permettre de bien contrôler la qualité et les quantités des perles qui seront emmenées sur les marchés, les effets de cette Maison de la Perle ne se feront sentir que dès lors que les stocks qui sont aujourd'hui sur les marchés seront écoulés. Et c'est aussi tout le sens, et je tiens à remercier à nouveau la représentation à l'Assemblée, c'est tout le sens de ce petit DSPE à 50 francs qui a été rétabli de manière à couper tout de suite l'hémorragie. Donc le fameux moratoire, comme il a été qualifié, arrive finalement, c'est vrai, au bout de 6 mois. Je voudrais vous préciser aussi qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de débats juridiques sur l'application à nouveau de notre statut, dit le statut Estrosi, enfin en tout cas la dernière modification, pour pouvoir qualifier en fait le meilleur véhicule juridique pour accompagner ce moratoire. Parce qu'il s'agit finalement d'une prise en charge partielle d'intérêt. Et je pense que vous l'avez noté, nous avions travaillé par voie auparavant de délibération lorsque nous avions mis en place le prêt à l'aménagement bonifié qui finalement venait prendre en charge une partie des intérêts pour les personnes qui faisaient un aménagement de la maison. Les dispositifs statutaires aujourd'hui, et en tout cas j'ai préféré prendre la sécurité maximum, nous incitent à choisir le véhicule de la loi de pays. Nous aurions pu essayer d'aller plus vite et de passer en délibération, mais je crois que les secteurs qui sont déjà en crise ne pourraient pas souffrir en plus de débats supplémentaires. Face, on va dire, aux multiples interprétations que j'ai eues de la part de juristes différents, avec tous les respects que j'ai pour les juristes, n'attendant pas que ce sujet soit totalement tranché, j'ai choisi la norme la plus forte, ce qui du coup apporte des contraintes de temps supplémentaires. Mais enfin, nous sommes là aujourd'hui pour pouvoir en décider ensemble, et je pense que c'est un gage vraiment d'avenir et de confiance pour le secteur. D'où peut-être effectivement la temporisation que j'évoquais au Grenelle de la mer, parce qu'il s'agissait surtout, on va dire, d'adopter les... La temporisation n'était pas tant sur le choix des mesures que sur, la consolidation des outils juridiques que l'on mettait en œuvre, parce qu'on a vu, y compris sur le DSPE, que ça pouvait après remettre en cause des intérêts professionnels. Et donc il était important de pouvoir bétonner au maximum, si je puis utiliser cette expression familière, le dispositif. Alors, je voudrais bien sûr remercier aussi Madame Chantal Galnon, qui s'est exprimée même un peu plus largement sur le programme du ministère des Ressources de la Mer, et effectivement lui dire que les projets sont nombreux et qu'ils vont tous en fait dans un seul sens et dans une obsession quotidienne que j'ai et que nous partageons tous après vous avoir à nouveau entendu, qui est de redresser ces filières, qui est de redresser donc ces filières économiques. La mer, c'est notre richesse et nous n'en avons pas d'autres aujourd'hui. Il y a le tourisme, il y a la mer. Et je tiens à vous remercier vraiment pour votre attention, parce que j'ai bien noté que vous aviez en plus un regard attentif sur l'ensemble des dossiers qui passent devant votre assemblée.
vous rassurer peut-être sur les 38 millions ramenés à l'IFMPC. En fait, il s'agit des travaux d'extension de l'Institut de formation à Faréouté que j'ai, pour ma part, annulé. Ils étaient prévus initialement et il y avait un vrai projet derrière. J'ai préféré l'annuler dans la mesure où maintenant il y a le projet d'Institut de la mer à Mouréa. Donc, on va dire, dans une logique de bonne utilisation des fonds publics, ça ne pose pas de préjudice à l'Institut. Par contre, nous avions utilisé une partie de cette enveloppe pour rénover les bâtiments existants de manière à pouvoir accueillir les nouvelles formations qui vont démarrer là en janvier avec l'acquisition de nouveaux simulateurs. Ces formations qui étaient également prévues. Vous dire que sur les Marquises, donc je travaille pour ma part sur un projet effectivement de base de pêche. Alors vous allez me dire, des projets de base de pêche, il y en a eu beaucoup, hein, des très grands à des projets plus à de taille plus réduite. Je suis en étroite discussion avec également les maires des Marquises, hein, qui sont venus à leur initiative donc me rencontrer, pour que nous proposions quelque chose qui soit progressif dans le temps. Je crois que plutôt que d'arriver tout de suite avec un énorme projet, on a vu que c'est difficile d'arriver rapidement comme ça et de but en blanc, et je crois qu'on n'y a pas intérêt forcément sur des petites économies insulaires comme ça à bouleverser du jour au lendemain ces économies. À venir par contre, de manière très pragmatique, poser peut-être déjà, ça peut se faire assez rapidement, 2-3 navires, pouvoir avoir une base d'avitaillement sur place, pouvoir avoir un petit centre de mariage pour traiter du poisson, et mettre en place un circuit avec une chaîne du foie donc qui soit respectée pour un acheminement, dans un premier temps, je pense, par voie maritime, donc sur une stratégie congelée, depuis les Marquises. Nous connaissons tous les contraintes de fret aérien domestique, et tant qu'il n'y a pas de projet d'évolution de projet sur le transport par fret aérien, j'ai proposé aux élus de travailler sur une hypothèse qui pourrait être celle-là. L'avantage, c'est que ça permettra, d'une part, peut-être à stabiliser une petite flotte sur les Marquises, qui est quand même au plus proche des ressources halieutiques, et d'autre part, avec cette base d'avitaillement positionnée là-bas, de permettre aux navires qui viennent de Tahiti de pouvoir pêcher davantage sur cette zone, et de faire des opérations de débarquement de poissons sur le volet congelé qui serait ramené ici, de manière à leur permettre de pêcher davantage là-bas, mais en faisant du dépôt de poissons sur Nukuhiva du congelé, ça leur permettra éventuellement de faire tourner aussi les équipages, ce qui pourrait être une réponse à ces longs temps de mer dans la stratégie de pêche congelée, qui est un frein aujourd'hui pour nos équipages polynésiens. À partir de 2 mois, 3 mois, peu sont candidats. Par contre, si nous avons, à mon avis, une structure de débarquement en Marquise, on pourra très certainement faire tourner les équipages et faire de la pêche congelée. Et ensuite, en fin de campagne, ils font de la pêche fraîche en retour à Papeete. Je voulais juste préciser ça, même si ce n'est pas dans le cadre du texte que nous évoquons aujourd'hui. Mais enfin, c'est la pêche qui fait aussi l'objet du moratoire. Et c'est un projet que je soumettrai, j'espère, prochainement à l'approbation de votre Assemblée. En ce qui concerne, effectivement, il y a une mesure gagnant-gagnant, comme l'a souligné Teiki Porlier, parce qu'il s'agissait aussi de pouvoir associer un maximum les professionnels, on va dire, à l'ensemble des actions qui sont menées. Je crois que l'automaticité n'est pas souhaitable non plus, parce que le moratoire doit venir aider effectivement les professionnels qui en ont le plus besoin, et je serai très vigilant là-dessus, mais il était important qu'il soit lié d'abord à ces rencontres, la rencontre avec le service pour refaire le point et la rencontre avec le banquier, de manière à bien mesurer le chemin qui va rester à parcourir pour refaire de ces entreprises des entreprises pérennes. D'où l'échange qui aura lieu entre le banquier et le perliculteur. Et gagnant-gagnant aussi parce que la prise en charge partielle des intérêts par le perliculteur donc va l'associer directement, on va dire, au coût de ce moratoire, hein, très clairement, et je pense va aussi dans une démarche de responsabilisation. Nous avons aujourd'hui des perliculteurs qui, pour faire face à leur échéance bancaire, sont obligés de brader les perles. Donc c'est aussi une mesure d'accompagnement de la maison de la perle, c'est-à-dire qu'en notant une partie des contraintes financières mensuelles du perliculteur, j'espère qu'on va lui permettre d'éviter de brader aussi ses perles en attendant que l'organisation soit en place.
C'est sûr que ça n'est pas suffisant, comme l'a souligné M. Foster. Et dans les discussions que j'ai eues avec les banques, hein, qui ne sont pas formalisées par une convention, l'occasion qui sera donnée au perliculteur de faire le point avec son banquier pour un moratoire, donc le gel pendant un an, devra aussi être l'occasion de faire le point sur les besoins complémentaires éventuels que la banque pourra apporter aux professionnels. Certains pêcheurs, par exemple, me disent, monsieur le ministre, bon, c'est bien de geler, c'est bien le moratoire, mais par exemple, en ce moment, j'ai besoin à tout prix de réparer rapidement mon système de froid, ou réparer rapidement mon hélice, ou réparer rapidement telle et telle petite partie. Et ceci n'est pas conventionné avec la Polynésie française, mais bien entendu, lorsque le banquier fera le point sur ces petites mesures d'accompagnement, nous avons convenu ensemble que la banque pourra aussi faire des efforts. Il ne s'agit pas de geler et puis dire, ben, comme on a gelé, je gèle aussi les crédits. Non. Hein, donc ça sera l'occasion peut-être de donner des coups de pouce supplémentaires. Ce que la banque va demander, par contre, c'est que les chefs d'entreprise ouvrent davantage les informations dont ils disposent et que même les banques n'ont plus aujourd'hui. Enfin, je voudrais donc être très clair sur les tris, hein, qui seront opérés par les banques, puisque au final, c'est bien la banque qui décide. D'une part, je crois que c'est important que ce soit la banque qui décide. Je n'imagine pas qu'on puisse douter ensuite que ce soit un ministre, hein, de la périculture que je suis, qui ait pu influer à un moment sur une décision bancaire. Donc très clairement, j'ai tenu dans le dispositif à bien séparer les rôles. Le service va recevoir le professionnel, fera un bilan. Vous avez eu même les formulaires ont été annexés, hein, on a joué la transparence totale. Le service fait un bilan sur l'activité. Ensuite, l'ensemble de la relation bancaire se fait bien dans le secret bancaire, c'est-à-dire que nous n'aurons pas accès aux discussions de ceux qui relèvent du secret bancaire et donc à la décision. Mais très clairement, l'objectif de tout ça n'est pas d'écarter un maximum de professionnels. Ça, je l'ai bien rappelé aux banquiers, parce que si on fait tout ça et qu'on a fait une loi de pays, que vous êtes tous prononcés et qu'au final, on n'a qu'un tiers, admettons, des professionnels qui viennent, j'ai bien été clair avec les banquiers, on va se revoir. On va se revoir parce que l'Assemblée, le gouvernement font un effort quand même. Certes mesuré 250 millions, mais tout de même de 250 millions. Donc on n'a pas fait tout ça pour finalement écarter un maximum de professionnels. Donc sachez que je serai vigilant là-dessus. On fera un point au bout de 6 mois déjà. Je serai ravi d'ailleurs, peut-être au moment de discussion sur l'actualité, de venir vous faire un point, hein, sur combien d'entreprises ont été reçues, combien ont été éligibles, et pour faire un point vraiment en toute transparence avec l'Assemblée. Et au bout d'un an, 2 mois avant la fin du moratoire, on se retrouve avec les banquiers, éventuellement pour voir si on est un an, ça suffit, s'il ne faut pas proroger, ou s'il faut proposer d'autres mesures que je représenterai à l'Assemblée. Ça a été en commission, hein, une demande aussi forte, notamment de nos amis des îles, de dire attention, est-ce que le un an, ça va être le couperet, et ensuite on tombe ou pas. Voilà, donc je crois qu'on a essayé un maximum de pouvoir combiner beaucoup d'avantages dans cette convention. 250 millions, je tiens à réaffirmer, Madame la Présidente, que c'est bien le plafond. C'est-à-dire, si toutes les entreprises de l'ensemble des secteurs accèdent au moratoire, ça ne coûtera pas un franc de plus à la Polynésie française. J'ai essayé aussi, compte tenu de nos contraintes budgétaires, eh bien, vous l'avez très certainement noté, la portée sur le budget sera pour 2011. C'est-à-dire que nous intervenons, nous, en fin de moratoire. C'est aussi une manière de responsabiliser à la fois le professionnel et la banque. C'est-à-dire que le paiement in fine du tiers dû par la Polynésie française se fera à condition que les deux autres parties ont respecté aussi leur engagement. Si la banque n'a pas payé les intérêts, la Polynésie ne payera pas. Donc, ce qui, à mon avis, nous donne aussi une manière de contrôler quand même ce qui est bien fait jusqu'au bout, quoi, de manière à ce que les fonds publics soient préservés. Voilà, Madame la Présidente, peut-être un petit peu longuement, mais j'ai tenu à répondre à tous autant que possible. Il s'agit vraiment d'une mesure de soutien urgente, vous l'avez tous noté. Le ton c'est bon, mais la perle c'est notre avenir, je crois. C'est notre perle qu'il faut chérir, et je crois que nous pouvons, avec un peu d'organisation et surtout une mobilisation de l'ensemble à la fois des forces
économique et politique, comme on le démontre aujourd'hui, eh bien, redresser ce cours de la Perle. La Maison de la Perle, on a visité le chantier, ça va être livré le 16 novembre, le bâtiment. Ensuite, nous allons donc roder les procédures pour le traitement des perles, et j'espère que très rapidement basculer dans le nouveau système que je vais vous présenter prochainement à l'Assemblée. Voilà. Merci de votre attention et de votre soutien. Merci, Monsieur le Ministre, pour ces réponses très claires et complètes. Nous passons à présent à l'étude de la loi de pays. Madame le rapporteur, l'article 1. Article LP1. La présente loi du pays a pour objet la création, en application de l'article 144-3 de la loi organique numéro 2492 du 27 février 2004 modifiée, portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'un dispositif d'aide économique qui consiste en la prise en charge conditionnelle par la Polynésie française d'une partie des intérêts ristournés par les banques et établissements financiers installés en Polynésie française à certains de leurs clients. Merci. La discussion est ouverte sur l'article LP1. Pas d'intervention, je mets aux voix. Qui est pour ? À l'unanimité, je vous remercie. L'article LP1 est adopté. Article LP2. Les intérêts ristournés et qui seront partiellement pris en charge par la Polynésie française devront satisfaire aux conditions cumulatives suivantes. 1. Ils devront concerner des facilités accordées à des personnes physiques ou morales, soit productrices d'huîtres perlières ou de perles de culture de Tahiti, au sens de la délibération numéro 2002-51 APF du 27 mars 2002, soit relevant de la délibération numéro 2004-29 APF du 12 février 2004 relative au régime des entreprises franches dans le secteur de la pelliculture en Polynésie française, soit titulaire de la carte de négociant en perles de culture de Tahiti, visée par la délibération numéro 98-63 APF du 11 juin 1998 modifiée, soit titulaire de la carte professionnelle visée à l'arrêté numéro 330-CM du 9 mars 1998 modifié au titre des activités lagonaires, soit titulaire d'une licence de pêche professionnelle visée par la délibération numéro 97-32 APF du 24 février 1997 modifié et l'arrêté numéro 557-CM du 6 juin 1997 modifié, soit agréé en qualité de mareyeur au sens de la délibération numéro 2007-17 APF du 19 juin 2007 ou dont l'activité principale est l'aquaculture. Ils devront concerner des facilités destinées au financement de l'activité professionnelle de leurs bénéficiaires. Les intérêts des facilités qui consistent en des prêts personnels, en des prêts immobiliers destinés au financement de l'habitation principale ou en des crédits dits à la consommation sont donc expressément exclus du présent dispositif. Ils devront concerner la totalité de l'année civile 2010, s'agissant de facilités qui auront fait l'objet de la part des banques et établissements financiers concernés, d'un accord au terme duquel le paiement des échéances de remboursement du capital de ces facilités exigibles à compter du 1er janvier 2010 sera reporté d'une année calendaire. Ils devront correspondre, au titre de chaque facilité concernée, aux deux tiers des intérêts hors frais, hors commission et hors accessoires antérieurement décomptés par la banque ou l'établissement financier ayant mis en place la facilité concernée. Et enfin, ils devront par ailleurs satisfaire à toute autre condition qui serait par ailleurs arrêtée par le Conseil des ministres au terme d'un arrêté qu'il jugerait nécessaire à la mise en œuvre de la présente loi du pays. Merci bien. La discussion est ouverte à l'article LP2. Pas d'intervention. Je mets aux voix. Même vote à l'unanimité. Je vous remercie. L'article LP3.
La prise en charge partielle par la Polynésie française des intérêts ristournés par les banques et établissements financiers concernés sera réalisée dans les conditions cumulatives suivantes. Cette prise en charge sera égale à la moitié des intérêts effectivement ristournés par chaque banque et établissement financier concerné, selon le justificatif qu'il en donnera à la Polynésie française. Ce justificatif devra être produit par chaque banque et établissement financier concerné au plus tard le 31 mars 2011. Cette prise en charge sera limitée pour chaque facilité concernée à un montant correspondant à 5 points de pourcentage du taux d'intérêt contractuellement convenu entre la banque ou l'établissement financier concerné et son client. Cette prise en charge sera limitée à la somme globale de 250 millions de francs, tout secteur économique et toute banque et établissement financier concerné confondus. Si cette somme s'avérait inférieure à la moitié du montant total des intérêts effectivement ristournés par les banques et établissements financiers, la somme de 250 millions de francs serait répartie entre ces derniers au prorata des intérêts effectivement ristournés à chacun d'eux. Cette prise en charge constituera un service voté de la Polynésie française au titre de son budget 2011. Merci. La discussion est ouverte à l'article LP13. Pas d'intervention. Je mets aux voix. Même vote. Même vote. L'article LP3 est adopté. L'article suivant, Madame le rapporteur. Article LP4. Une convention établie entre, d'une part, les banques et établissements financiers concernés et, d'autre part, la Polynésie française précisera et complétera les obligations à la charge de chacune de ces parties, notamment en matière d'éligibilité au dispositif d'aide économique, objet de la présente loi du pays, et en ce qui concerne les modalités d'instruction des dossiers éligibles et la justification par les banques et établissements financiers du montant des intérêts effectivement ristournés par chacun d'eux dans le cadre de ce dispositif. Merci. La discussion est ouverte à l'article LP4. Pas d'intervention, mais Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Juste rapidement, comme cet article pointe la convention qui a été évoquée par Monsieur Fritsch, je me suis rendu compte que je n'ai pas répondu tout à l'heure précisément à l'article 2 de la convention. En fait, il précise d'une part qu'il faut, donc, pour pouvoir accéder au moratoire, donc être titulaire des titres qui autorisent et qui reconnaissent l'activité, que ce soit la licence de pêche, carte de périculteur ou autre. Le deuxième point suppose, comme dans beaucoup de, pour ne pas dire la plupart des interventions économiques de la Polynésie française, il est stipulé qu'il faut être à jour vis-à-vis du Trésor ou des organismes sociaux. Mais justement là, dans cet article, nous avons élargi, parce que la plupart des textes prévoient qu'il faut être à jour, point. Et au contraire, dans la convention, nous avons prévu qu'il faut être à jour ou alors avoir négocié un échelonnement des paiements ou alors être en cours de négociation. C'est-à-dire qu'au contraire, on est plus ouvert, parce que sinon on aurait écarté effectivement du dispositif beaucoup d'établissements. Mais dès lors qu'il s'agit de fonds publics, nous ne pouvions ignorer la nécessité au moins que le chef d'entreprise prenne contact avec la CPS ou le Trésor et puisse discuter. J'ai pris contact avec la direction de la CPS et le président du conseil d'administration, mais également avec l'administration du Trésor pour qu'on ait un accueil bienveillant et qu'on puisse échelonner, étaler un maximum les dettes des périculteurs fiscales ou sociales. Mais il faut qu'il y ait ce rendez-vous. Voilà. Donc en fait, on ouvre davantage et à minima, on leur demande de prendre rendez-vous. Et le dernier point suppose aussi qu'il faut garder une activité effective parce qu'on va aider les entreprises qui les aider à survivre pour faire en sorte que dès que le cours de l'appel remonte, on puisse relancer l'activité. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Edouard Fritsch. Oui, non, simplement pour dire au ministre que, en fait, mon observation portait sur le fait que les critères d'éligibilité de ces professionnels me semblaient suffisamment larges.
Il n'y a pas de problème. Justement, j'avais remarqué, par exemple, que tout ce qui est dû au Trésor au titre des cotisations, bon, il y a un échelonnement qui peut être envisagé. Et c'est là où je dis qu'on risque de faire rêver un petit peu les gens, parce qu'en fin de compte, remplir les critères pour accéder à ce moratoire n'est pas une chose vraiment compliquée. Tout va se décider, en fin de compte, dans la discussion entre le professionnel et le banquier. Et c'est là où, bon... Je ne dis pas que c'est... Mais comme vous disiez tout à l'heure, et je prenais ça comme réponse à mon observation, en fin de compte, on ne peut pas imposer au banquier, qui lui seul, dans ces cas-là, peut prendre la décision. Merci. Merci, M. Fritsch. Je mets aux voix l'article LP4. Même vote à l'unanimité. Je vous remercie. L'article LP5. Les dispositions de la loi du pays numéro 2009-15 du 24 août 2009 ne sont pas applicables au présent dispositif d'aide économique. La discussion est ouverte sur l'article LP5. Pas d'intervention. Monsieur Vito Mamatouaya. Maruru Maite Pretini, Fatrihau, Ranaï Tutatu Fariga, Muru Maite Tinuna, Ranaï Tutatu Farid Aiti Pepeyapi. Tak mana hamaru ya awak fatrih, tapi ya mita tu tatu tak eh wah itu apa proyek arah wera, mian moro ti hepiti air dah ya tatu, tu tatu mu utu apa deh orang eh tutu itu imit afufa, nanti tua mu tu eh atia. Eti atu lipat ya tatu tutu itu eh hoe mati itu hor ohia, nenhe matarati fifi toratu. Tapi mana awak fatrih, hoe imi ya matu mu ya awak. Tämä on otettu otettu arhehia, mutta tiä aurai otettu tatatu vuv amuana, merhitua mu pro tatatu proyuni, ran eu otut firuiden itra mu mona, pro no tatatu mu aui evereti tua mu tuu atiä, tveniti mu mitua otettu, otti hamonitara tu prohati ano te aui eu voi voi ratu ahuru mu tehdi tieni te tenuar pro ti taura. Atatatu Terezo te vai aturea non eu e eu meia matou foste a mãe moia o ya nenhe pa iti mo te mea te fifi iti hiara iti imhana mi te peo hina aro rato arat mo tomat i e fatupua iti hupa e ta fifi pa ya hi hoat parota a praura mi te peo iti ovo hi ato muri e iti nenhe horo i provati ano mua e ua ta fifi rato rutu ita rato proti mira fofo ahe. Itulah maruru mai tadi fatrihau, nanti fanon horata tato. Maruru, Monsieur Timothy Foster. Maruru, pretini inha utai tato cukup elte ini ture tato eh amanah opero. Tinal ni boleh pro tato eh nuatua. Terhadap awal itu kita tato eh amana. Tiada ni ra tiapun oh, seperti ia awal terhadap we, pada itu tiapun itu air itu itu mufia, ratau, evan awal tiapun fatur eh atau tato, era weni. Seperti ratau we, nuatu terau awal fatur eh air weni air itu itu apurar hei. Iti mea o rātou e te rātou e taho e rātou e fofu a ore te imo ture. Nāko protu nei. Iti wa ue hunātou ia aue warau mai nātou mō whātere heo nā mō mai ia aue. E dua frits, e oaitu, e oaitu. Nā tara amahumai rutu i tera nun a. E whātopatari rei tātātou nei imira fofu a. E meiti mea rātou, aite rātou i maramana mai e amui mai te e rātou e cho e whā. Nō atua tātou rehit ature e hāmau. E whān ono e at mōwhia arauhi, mōwhia maramana mai te whā ohipai te ture. E te tātou ara e pi e so, e whiwhino ho a rātou. Mātaitu te iporoi. Proutu i rātou e hāp i a rātou, tā hau e a rātou. Ia pūai rātou inesoi tā rātou whanhora.
Merci, Monsieur Timothy Foster. Je mets aux voix l'article LP5, même vote à l'unanimité. S'agissant d'une loi de pays, nous passons au scrutin public. Alors, Madame Algon-Ima, pour. Madame Big Sabrina. Madame Bob Dupont-Tamara, absente. Monsieur Bissou Jean-Christophe, absent. Procuration Madame Algon-Ima. Madame Brodier-Rosine. Monsieur Carlson Jean-Michel, absent. Procuration Madame Françoise Tama. Madame Chavi Daphné. Madame Cross Valentina, absente. Procuration Madame Sabrina Birk. Pour. Monsieur Floss Gaston, absent. Procuration Monsieur Edouard Fritsch. Monsieur Foster Temauri. Madame Fribourg-Jouel, absente. Procuration Monsieur Foster Temauri. Monsieur Fritsch Edouard. Pour. Madame Fuller Tilda. Madame Galnon Minari. Madame Hirschon Onotea, absente. Procuration Madame Maïn Nassage. Madame Iriti Teura. Madame Isa Leifara, absente. Procuration Monsieur Temiaro René. Madame Jennings Tetonoui Patricia, absente. Procuration Madame Dani Persigal. Monsieur Colté Benoît, absent. Monsieur Comitini René. Monsieur Lison Marcelin, absent. Procuration Monsieur Toutipé. Monsieur Mamato Ayotapu Victor. Madame Anoutei Levi Agami Sandra, absent. Madame Maria Emma, absent. Procuration Madame Chavi Daphné. Monsieur Maria Urateina, absent. Madame Matawa Leoni, absent. Monsieur Matawa Mayron, absent. Procuration Monsieur Ruben Teremate. Madame Anti Juliana. Madame Naya Tiripaya Maron, absent. Procuration Monsieur Vito Mamatoa. Pour. Madame Olivier Marise, absente. Procuration Madame Tayata Chantal. Madame Opa Fouanik, absente. Procuration Madame Justine Teura. Madame Parker Eleanor, absente. Madame Persegal Daniel. Monsieur Peu Touti. Monsieur Pauliette Kinoui. Madame Richton Monique, absente. Procuration Madame Teura Iriti. Monsieur Romataro Fernand, absent. Madame Sage Maïna. Monsieur Gilles Philippe, absent. Procuration Madame Tilda Fuller. Madame Saint-Jou Tarita, absent. Madame Tahiata Chantal. Pour. Madame Tawatama Juliette, absent. Procuration Madame Minari Galnon. Pour. Madame Tama Françoise. Monsieur Tonso Robert, absent. Procuration Monsieur Tiontou Roro. Et Monsieur Tiontou Roro pour. Monsieur Tefarire Hiroiti, absent. Monsieur Temeharo René, pour. Monsieur Teremate Ruben. Monsieur Teripaya Mita, absent. Madame Tetonu Ilana, absent. Procuration Monsieur René Komoitini. Madame Théora Justine. Monsieur Tongson Gaston, absent. Procuration Madame Rosine Brodia.
Monsieur Tohou Ismaël, absent, procuration, Madame Katibuyar. Et Madame Tucho Katibuyar. Madame Vernon Béatrice, absent, procuration, Monsieur Teki Porlier. Monsieur Vernon Clarence. Monsieur Yib Michel, absent. Voilà, Madame la Présidente. Merci. Le résultat du vote est à 46 voix, donc des personnes présentes et avec population. Donc à l'unanimité, la loi de pays est adoptée, Monsieur le ministre. Merci à tous. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été très clair. En tout cas, fight to. Un grand merci à l'ensemble des représentants de l'Assemblée pour ce soutien à nos filières. Maruru. Bien, nous passons à l'examen de la correspondance et je demande au secrétaire général de donner connaissance du relevé. Alors, Madame la Présidente, tous les représentants dans leur dossier de séance, le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée depuis le 9 octobre 2009 et arrêté au 23 octobre 2009. Voilà. Bien, nous arrivons au terme de la séance. Je vous informe seulement que selon le calendrier prévisionnel, la prochaine séance devrait être le 12 novembre 2009. Voilà, je vous remercie infiniment et surtout du calme qui a régné au cours de cette séance de la matinée. Et puis, bonne fin de semaine et à bientôt. La séance est close à 11h02.